Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, 36ème. Si je dis pas trop de bêtises, tu m'as fait trop peur Virginia, 36ème épisode de Sons of the Forest saison 2. Le soleil est en train de se coucher, on va vite dormir, j'ai fait énormément de choses en off. Bah vous le voyez déjà en fait, hein. Vous voyez déjà le toit de la maison enneigé, et là vous vous dites mais... C'est une dinguerie, c'est chauffé Mkolo. Et ouais les gars, alors je vais tout vous montrer, j'ai hâte. Et on va dormir. Et d'ailleurs on va dormir et ça se trouve... Non, je m'enflamme peut-être. On est au jour combien? 80? Il y a moyen que ce soit la fin de la neige. Attendez, comment je fais pour dormir? Ici, hop c'est parti, je dors. Attention les vélos, il neige toujours. Allez, un régal. En train de mourir de soif, en train de mourir de manger. Vous inquiétez pas, j'ai pensé à ce qu'il fallait, puisque j'ai fait des allers-retours, enfin un aller-retour plus précisément, pour ramener à boire, parce qu'en effet c'est le calvaire. J'aurais dû manger d'abord, mais c'est pas grave, on va boire quand même, c'est pas grave. Je vais vous montrer la maison, on va discuter de vos commentaires aussi. Voilà, ça va être un épisode qui va être beaucoup plus long que tous les précédents, parce que je vous ai compris, comme dirait un homme politique très sympathique, me semble-t-il. Voilà, alors pour ce que j'ai pu faire jusqu'à présent pour la maison, je vais vous montrer. On va allumer un petit feu quand même pour se réchauffer, parce que mine de rien, ça caille. Voilà, j'espère vraiment que la neige c'est bientôt fini. Alors, pour le moment, voilà à quoi ça ressemble cette maison. On a un cannibale ici, on va savoir pourquoi, il est là. Bah c'est quoi, hop, hop, voilà, ça régale. Je crois que j'ai un peu mal visé. Ah non, c'est bon. Parfait. Ça, ce bois là hein, je l'enlève hein, c'était pour me permettre de monter en haut et faire justement le toit que vous voyez. Le toit que j'ai incliné de différentes façons, donc je suis assez content. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile pour le coup. Il est où Kelvin? Et me dis pas qu'il est encore bloqué. Non, parce que je vous explique, il s'est bloqué là, il a coupé pas mal de bois ici et il s'est bloqué là-bas. C'est une dinguerie s'il est encore bloqué. Non, parce que s'il est bloqué, il se débloquera jamais. Hein. Oh, ça tire à balles réelles. Oh, il n'y a plus de neige! La neige est en train de partir. Oh, c'est grâce à Kelvin, ça. Regardez, il est bloqué, là. Bon, bah, ma foi. J'espère que tu vas t'en sortir, mon copain. Voilà, bah, la neige est en train de partir. Il est en train de pleuvoir, en plus. Et ça, ça fait plaisir. Hop, ça dégage la racaille. Alors, mais il est sérieux, là? Il est en god mode le frérot. Pourquoi il voulait pas mourir? Zinzin lui. Voilà. Donc ça régale. Alors voilà. La maison, pour le moment, elle a pas de fenêtre encore. Elle a pas de décoration. Je vous montre brut tel quel. Mais ça fait trop plaisir. Mais les gars. Mais ils sont tarés. Voilà, c'est bien qu'elle est Virginia. Donc voilà pour le moment à quoi ressemble la maison. Ça part en cacahuète hein, ce début d'épisode. C'est un régal. Mais reste au sol toi, te relève pas. Ah, donne-moi ça. Toi tu vas pas casser ma maison, je te le dis direct. Voilà. Ça dégage la racaille. Est-ce que les os sont encore là? C'est bon. Voilà. Très bien. Comme ça je vais aussi me faire une petite armure en os. Alors les os ils sont là. Tac 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 tac, on les prend tous. On prend le Shatterton. C'est pas ça. C'est du tissu qu'il faut. Quoi? Mais attends. Armure de feuilles. Mais attends, comment on fait une armure en os? C'est une plaisanterie. Comment on fait une armure en os? Ah! Faut de la corde. J'ai pas de corde. Allez. Ça régale. Là, ce serait le moment d'avoir de l'eau. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il me faudrait un collecteur d'eau là. Hein. C'est maintenant qu'il faut le faire en fait. Hein. Oh putain, j'avais pas anticipé que ce serait la fin de l'hiver. Pour mon plus grand bonheur. Hop. Et évidemment j'ai pas de carapace. C'est super ça. C'est les débuts d'épisode qu'on aime. Oh là là là. En soi la plage est pas si loin que ça, mais bon. Casse la tête. Casse la tête. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Ah il pleut quoi, il faudrait récupérer l'eau, c'est le bon moment. Ce serait le bon moment, ouais, mais la plage elle est quand même loin. La plage elle fait quand même loin. T'as regardé comme c'est beau quand même. Bon, bref. Ah si, on pourrait tenter de monter, mais j'ai peur de mourir encore. Vas-y, vas-y, on va faire ça, c'est pas grave. Hop, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça bien en ce début d'épisode. On va save, évidemment, hop. Et on va monter. Alors regardez la tyrolienne, du coup, elle vole dans le vide hein, pour le moment, parce que bah, Kelvin a coupé un arbre.
Et du coup, bah, la tyrolienne reste. Donc ça fait plaisir. Bon, bah, en attendant, merci beaucoup pour vos commentaires. Vraiment, sur le dernier épisode, ça m'a fait trop plaisir. Je parle bien du dernier épisode donc de cette saison 2. Et non pas de la coop dont on va parler juste après. Donc ça m'a fait très plaisir et j'ai compris que vous voulez des épisodes beaucoup plus longs et je vous comprends, mais après voilà, vous savez que ça me demande énormément de temps et que c'est pas forcément ce que j'ai en folie quoi. Mais merci à vous et donc ça me fait évidemment trop plaisir. Donc évidemment je vais tout faire pour vous régaler un maximum. Et donc notamment aujourd'hui avec un épisode un petit peu plus long quoi. Je vais prendre le flacon, je vais remplir, on va en profiter les gars, hein, soyons intelligents. Voilà. Ensuite, on récupère la casserole vide. Bon, elle est déjà remplie. On va quand même la remplir au maximum. Voilà. Et puis du coup, bah, je vais pouvoir récupérer. Hop, un collecteur d'eau. Non. Non. Voilà, la carapace, c'est bon, je l'ai. Les bâtons, on s'en fout un peu. Je vais récupérer celle-là aussi. Hop, on va quand même en laisser ici à la base. Hein, parce que c'est toujours parfait d'avoir un peu d'eau par là. Et voilà, comme ça on a deux collecteurs d'eau pour en bas. Hop. On va encore boire un coup, on se fait plaisir. Parfait. Allez, c'est parti, on redescend tranquillement. Et oui, quelqu'un m'avait dit hein, que je pouvais mettre la tyrolienne jusqu'en haut. Ça aurait été plus pratique, tu sais, si je mettais une bûche pour éviter de tomber. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Là, vous avez vu, ça fonctionne. J'ai une petite technique, faut juste pas s'endormir quand tu montes. Et voilà, ça se passe relativement bien, les copains. Hop là. Allez. Je vais vous montrer la base du coup parce que bah voilà, vous l'avez vu que de loin jusqu'à présent. Ça va Virginia, tu surveilles, c'est bien. C'est bien Virginia. Mais Calvin il me fait chier. Oh non, il y a du people. Alors attendez, là on va pas être copains. On va pas être copains. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Attends, déjà priorité au direct. Voilà. Ensuite toi. Voilà. J'ai mis deux balles à côté, c'est un plaisir. Hop là, ça dégage. T'as peur hein. Ça dégage. Une balle ça suffit hein, avec cette arme hein. C'est vraiment un régal. Ah oui, je voulais aussi vous montrer un truc par rapport à ici. En fait ce que je n'avais pas compris, c'est que les loots sont aléatoires. Regardez, et bah voilà. Là j'ai à manger, barre énergétique. Et là j'ai un panneau solaire. Parfois c'est des lampes, parfois c'est des boissons. Bon, en fait c'est aléatoire les loots et donc ça c'est génial. Voilà, c'est vraiment génial. Donc il n'y a pas moyen, enfin voilà, il y a moyen de justement looter de manière très intéressante. Ils sont de plus en plus nombreux là les vilains. Mais donc voilà, hein, sachez-le. Et il y a plein de pierres ici pour ceux qui demandaient. Il y a plein de pierres ici. Et d'ailleurs en commentaire quelqu'un avait proposé, on va voir si c'est possible, de mettre des pierres ici. Ah ouais, pour faire la petite barrière, bien vu. Bah voilà. Vous avez vu, je regarde les commentaires, les gars. Non, ça régale. Hop, on va mettre. C'est temporaire, hein, c'est parce qu'il pleut, donc j'en profite. Hop. Voilà, on va récupérer. Il y a quand même beaucoup de pierres, hein, les gars. Hein. Franchement, en vrai, c'est assez Gucci ici. Mais c'est chiant, quoi. Voilà, ouais, c'est pas mal en vrai. Fait une petite barrière. On va la faire de haut en vrai. Hein. Comme ça, au moins, on est un petit peu plus tranquille. Après, je peux en effet lui demander à Calvin de ramasser les pierres. Pour remplir les conteneurs. Bon là pour le moment voilà, j'ai pas besoin, vous avez vu. On lui demandera ça plus tard quand on sera au calme. Parce que là c'est un petit peu bruyant avec la pluie. Voilà. Ok, je vais enlever cette bûche là du coup. Normalement j'en aurais plus trop besoin. Alors je vais vous montrer du coup l'intérieur un petit peu comment ça se présente. Bon pour le moment là j'ai mis donc un meuble avec tous les rangements là. Bah là vous le savez, on avait fait ça ensemble hein, à l'Asbeul. Ici donc le petit ponton qui va nous permettre entre guillemets de pêcher. Alors quelqu'un avait proposé en effet une pas si mauvaise idée que ça, de faire un pont pour traverser l'étang. Mais en vrai non, parce que ça, de 1 ça va dénaturer, de 2 ça va être comme la base qu'on avait fait sur le lac. Et troisièmement bah de toute façon l'eau n'est plus gelée, donc ça ne sert à rien. Et moi je veux vraiment juste que ce soit un petit coin de chill hein. J'ai pas envie que ce soit un pont qui relie là-bas. Donc on va pas le faire, mais merci pour l'idée quand même. On note, c'est plutôt pas mal. Je vais poser d'ailleurs le panneau solaire ici en attendant. Oh là, j'aime pas faire ça, j'ai peur que ça dépop. Voilà. Donc, voili voilou. On va pouvoir enlever les fondations, là, les poutres. Ah oui, l'escalier les gars. Ah mais j'étais teubé, j'étais très teubé.
Je, en fait, on peut mettre l'escalier contre le mur. Hein. Mais je savais pas du tout. Donc moi, je me suis cassé la tête dans le dernier épisode à vouloir le faire là. Mais en fait, non, on peut le mettre contre l'escalier. Ça m'avait proposé en fait. J'étais en train de faire en haut comme un con. J'étais en train de poser les planches là. Et d'un coup, hop, ça mettait les escaliers. Je me suis dit, mais non, t'es sérieux. Enfin voilà. Donc voilà le deuxième étage juste ici. Voilà, c'est plutôt cool. Et on va pouvoir enlever les poutres. Moi, ça me paraît pas trop mal. J'en ai chié. Hein, par contre, un pour en haut, vraiment, j'en ai vraiment chié. Donc on va voir comment. Comment on va gérer tout ça. Oh, Kelvin est là. Ouais, Kelvin, mais oui, j'avais pas fait le lien, t'es là. Eh ben, tu sais quoi. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire. On va mener l'utile à l'agréable. Stockage de pierre. Alors, temporairement, on va mettre ça là. Ça y est, c'est en train de se calmer la pluie. Ah, mince, il me refaut juste des sticks. Je crois que j'ai un truc de stick ici, ouais. Voilà. Et là, regarde. Regardez comme ça va être chouette. Kelvin, tu vas continuer ton boulot. Tout simplement, regardez, je vais faire maintenir la base. Et donc là, automatiquement, il va remplir tout. Normalement, les sticks, le bois, les pierres, tout. Il va tout faire. Donc, ça régale. Allez, première étape, on va enlever les poutres. Ça, je voulais vraiment le faire en vidéo. Parce que bah, ça va être les décorations. Hein. Ça va être vraiment les décorations. Là, c'est pas de la décoration, c'est plus de l'architecture. Mais pour moi, ça fait partie de la décoration. Oh là! Oh là. Ah. Oh oui, d'accord. Mais non, mais c'est pas possible d'être autant emmerdé là. Et vous savez que pendant ma construction, j'ai pas été autant emmerdé que ça. Sans deck. Par contre, ça one shot le revolver, c'est une dinguerie. Voilà. Oh, ouh. OK. Ça vient de partout. Ah non, ça one shot pas en fait, il se relève. Il se relève le boug. Reste au sol. Eh hey, Virginia, t'es où? Oh mon dieu. Allez, saute. Voilà. Hop. Grosse fesse. Ça dégage la racaille. Oh là là. Quel calvaire. Hop. Voilà. Allez. Hop. Tais-toi maintenant. Oh Virginia. Oh Bichette. Ah bah heureusement que t'étais en train de boire la tasse. Ok. Vous avez faim. Mais vous avez faim, calme-toi. Oui, vous dites j'ai des problèmes de nourriture. En vrai de vrai, pas tant que ça. Parce que les animaux et... Alors, pour ceux qui m'ont suggéré de manger les cannibales, vous êtes dégueulasse. Voilà, je vous le dis dans les commentaires, vous êtes des dégueulasses. Vous êtes des cannibales. Et en même temps, j'ai déjà mangé sans faire exprès. Voilà, il faut le savoir, j'ai déjà mangé. Voilà. C'est dégueulasse. Virginia, tu déprimes? Oh non, Bichette. Eh, regardez, il y a du poisson. Eh, les gars. Eh, c'est qui a dit qu'on était en galère de nourriture? Oh, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà. Eh ben, je suis une grosse merde. Eh ben, je suis une grosse merde. Bon, on va continuer la base. Ensuite, pour revenir du coup à Sons of the Forest en coop, eh bien, je n'ai pas encore vu les retours. Donc, écoutez... J'espère que ça vous plaît et que la surprise fut grande. Voilà, ça se trouve ça vous plaît pas du tout, hein, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça me plaît. Ça plaît à Gabi et j'espère que ça vous plaît. Et voilà, c'est vraiment en parallèle, hein, vous avez vu, ça n'a rien à voir. Ça m'empêche pas de continuer cette saison 2. C'est pour ça vraiment, il faut pas considérer ça comme une saison 3, la survie coop. Ça n'a rien à voir, Sons of the Forest coop. C'est vraiment une autre ambiance, un autre univers, un autre délire où on est à deux. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de renifler. Voilà, je suis un gros porc. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est ça ce qui est cool, quoi. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et voilà, ça permet de temporiser avec... parce que, voilà, la prochaine mise à jour, ce sera dans 2 mois. Donc, on n'y est pas du tout. Donc, ça permet de temporiser, de se faire plaisir. Et voilà. Alors, là, on va avoir un petit problème. Parce que je peux pas enlever ça, mais c'est pas grave. Ah oui, alors attendez. Parce que ça, j'en ai pas besoin. Ça, je peux enlever. En fait, ça, bah, c'était pour pouvoir monter en haut. Après, on peut quand même se faire un petit accès en haut. On peut se faire un petit grenier, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être laisser, finalement. On pourrait se faire un petit grenier. Je sais pas, vous en pensez quoi? Et comme on n'est pas en live, j'ai pas vos retours. Soit on fait juste ce premier étage avec un gros, gros plafond. Ou soit on se fait encore un petit grenier en haut. Après le petit grenier, il aurait pas trop de potentiel. Hein. Écoutez, je vais partir du principe qu'on va tout enlever d'abord pour voir s'il y a moyen d'enlever les poutres. Et si on peut pas enlever les poutres, eh bah tant pis.
on fera un petit grenier. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme idée. Bon, j'ai entendu des coups de feu dehors, ça a l'air de s'en sortir. Virginia, rentre pas comme ça, s'il te plaît. Vraiment, hein. Hop, hop. On va mettre ça là. Est-ce que du coup... Ah, faut que j'enlève ça aussi. Est-ce que du coup, on peut enlever... Oui, on peut. Ah non, là, je peux pas. Ok. Déjà, ce qu'il faut, de toute façon, c'est des demi-bûches. Et ça tombe bien parce que, regardez, j'ai ce qu'il faut ici. Haha. Le mec a pensé à tout, quoi. Donc là, je pense qu'il faudrait en mettre un là. Ok, parfait. Donc du coup, bah logiquement, un ici. Voilà. Mais je peux quand même pas enlever là, malheureusement. Ah, là, je peux enlever. Très bien. Et faudrait que je fasse la même ici. Alors attendez, je vais prendre ma petite hache. Et coupe en deux. Voilà, dégage. C'est ça que je veux. Voilà, et du coup ah oui, mais là ça marchera pas. Si je mets ça là, je pense pas que ça va marcher jusqu'ici. Oh si, bien sûr. Parfait. Ah, je préfère mettre ça que d'un côté parce que ça prend de la place quand même. Et là ce serait chiant ici. Bah voilà, du coup fin du problème. Du coup je peux encore enlever ça là. Voilà. Ça me fait beaucoup de bois là, hein. Ouais, ça fera un plus grand toit, c'est sympa. Y'a pas besoin de vous faire un grenier en vrai. On n'y montera pas de façon dans le grenier, alors à quoi ça sert? Voilà, c'est un bordel. Ça va dépop d'un coup, on va rien comprendre. Hop. Alors, faut juste faire gaffe à pas enlever des mauvais trucs. Oh là là, je vais me retrouver bloqué, au secours. Au secours. Oh, c'est une dinguerie. Par contre, du coup, je vais user beaucoup de bois malheureusement pour ça. Qu'est-ce que je viens de... Tu vois, je viens d'enlever un truc que j'aurais pas dû. Non, si, c'est bon. Ok. Hop. On se fait un petit peu de place. Hop, hop. Et hop. Ah, il y a encore tout ça ici. Faut faire attention, hein. Pas enlever le toit. Parce que j'en ai chié, hein. Voilà. C'est bon. C'est plutôt pas mal. Alors là, du coup, c'est la merde. Alors la technique, ce serait de quitter le jeu et de revenir pour que tout dépop. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'on pourrait rentabiliser. On pourrait rentabiliser. Wow, regardez comme il fait beau. Regardez, ce jeu, il est beau. On va rentabiliser. Alors, évidemment, je vais faire une première sauvegarde parce que on a fait pas mal de choses entre temps. On va rentabiliser, on va voir ce qu'on pourrait fabriquer à l'étage en haut avec ces demi-bûches. Si c'est possible, bien évidemment. Bon, ça, je ne peux pas. Un petit banc, ok. Les torches murales, on va s'en occuper, ça va être trop trop bien. Table ronde, on a déjà en bas. Lit double. Ah, le fameux lit double. D'ailleurs, vous savez quoi? Ah, c'est peut-être pas une bonne idée en face des escaliers ici, là. Virginia et moi, on va coucher ici, là, je pense. Et ça, j'ai trop hâte de voir si Virginia elle va coucher avec moi. Alors se coucher avec moi, hein. Ah ouais, mais ça change rien. Je peux quand même pas, il faut que je mette des sticks d'abord. Ok. Ah bah Virginia elle a hâte. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, donc ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder, je vais quitter et je vais relancer. Voilà, c'est la technique, à tout de suite. Bien sûr, je précise quand même, la technique elle est vraiment bien, elle est très useful comme on dit, mais il faut sauvegarder vraiment. Là je l'ai fait juste avant, mais n'oubliez surtout pas de sauvegarder les amis, sinon ben, sinon c'est con. Voilà. Donc là maintenant c'est bon, tout a des pop et ça régale tout simplement. Donc on a le lit double ici, on va voir un peu comment on va aménager tout ça. Déjà moi je suggère que ça ira en haut, c'est les râteliers d'armes. Donc attendez, pareil, là c'est temporaire. C'est juste pour faire de la place en bas, puisque je pense qu'on va faire donc la grande table ronde en bas, puisque ça va être la salle à manger. Hop, voilà. Ouais, donc là, ça va être vraiment pas mal de placer ça comme ça, je pense, tu vois. Tu vois, il y a vraiment de la place, c'est juste parfait. Franchement, je suis refait, hein. En vrai, de vrai, je suis grave refait. Là, il n'y aura pas de doute quant à la fenêtre de la faire ici, pour le coup, hein. Vraiment, là, c'est juste logique de mettre une fenêtre ici. Bon, là, c'est plus une meurtrière qu'une fenêtre, pour le moment, hein. Hop, on va mettre ça là, vous avez compris que ça sert toujours de garder quand même certaines de ces bûches. Alors, je vais pas faire de bêtises, j'ai pas envie de tout recommencer mille fois. Donc je vais juste vérifier un truc. Pour les fenêtres, je vais vous remontrer la maison de l'extérieur après parce que c'est vrai que vous l'avez pas forcément bien vu encore. Pour les fenêtres, voilà, il faut faire 3. Il faut faire 3, c'est ça, hein. Ouais, mais est-ce qu'on peut mettre les volets par-dessus? Oh là là, maintenant je sais plus. Je veux pas faire de bêtises, j'ai clairement pas l'intention de recommencer tout ce que j'ai fait parce que j'ai pris énormément de temps.
Ce qui fait que les épisodes sont plus courts, forcément. Voler. Ouais, c'est ça, faut faire 3. Ah non, faut faire 2. T'as vu là, faut faire 2. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien du tout. C'est un régal. Alors, dans le doute, je préfère anticiper. C'est bien, Kelvin y bosse. Je préfère anticiper. Là, on peut pas mettre de volet. Très bien. Donc là, je vais ouvrir ici. Et là, maintenant, je peux faire les fenêtres, tu vois. Alors, si j'avais fait un plus grand, ça aurait été la merde. Voilà, donc j'ai bien fait de faire attention à ce détail. Voilà. Bien joué à moi. Oui. Ah, mais il est teubé, c'est une dinguerie. Là, je verrais bien des fenêtres. Et en même temps, vaut mieux pas. On a dit ici, ce serait le coin cuisine. Et donc, du coup, dans ce cas-là, les fenêtres, on va pouvoir les mettre là. Alors, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on peut pas faire de grandes fenêtres comme ce que j'imaginais. Ça, c'est un peu chiant. Et c'est pas forcément sexy, du coup. Bon. Déjà. Déjà, on va pouvoir mettre une fenêtre ici. Ok. Ah, pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Attendez. Ah! Ouah, bâtard! Oh ouais! Ah ouais, c'est chaud! Salut mon frérot, attends! Attends, bouge pas! Attendez, mais là, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer! Attendez, mais il se passe trop de choses! Alors, par contre, ce qui va se passer, tu vas abandonner ce que t'es en train de faire. Kelvin! Kelvin! Il faut que tu ramènes du poisson. Et que tu. Ah mince! Ben, remplis le contenant, je pense que tu comprendras, non? On va voir s'il est assez intelligent. Je pense qu'il va mettre ça sur l'étendoir. Ok. Ouais, alors là on est dans le caca. Bah, rien de bien méchant du coup, mais c'est vrai que j'ai fait un toit spécifique. Ah putain. Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive. Recommencer tout le mur. Voilà. Et là je vais pas pouvoir, il y a toutes les structures qui sont fondées dessus quoi. C'est génial. C'est génial. Vous avez vu, il a commencé à faire le lit, Kelvin. Eh ben c'est génial, voilà, j'ai envie de crever. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Va falloir qu'on... On va mettre quelque chose par devant. Que personne ne verra. Alors, j'entends des gens autres que mes amis. Voilà, c'est bien ce que je me disais. On se fait envahir là. On est d'accord que genre en une vingtaine de minutes d'épisode, il y a 5 vagues de vilains qui viennent quoi. C'est un régal. Ah non, là c'est toi qui marche. C'est comme ça que tu pêches du poisson toi? Eh mais j'avoue putain. Mais attends, mais faut que je mette un piège à poisson. Ah mais là faut rentabiliser hein. Putain, je suis un peu bête hein, je sais. Hop. Évidemment je n'ai pas de stick. C'est un plaisir, on fait plein de trucs en même temps, c'est ça ce qui est cool. Hop, heureusement que j'ai encore des sticks ici. Grâce à Kelvin bien évidemment. Hop, on va mettre le petit piège à poisson. Kelvin il fait genre. Il pêche mais. Il pêche rien du tout. Dégage toi. Bon les, comme dit les cannibales me font beaucoup moins peur que les vrais indigènes. En vrai les cannibales ils sont un peu teubés. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Bon, déjà ils mangent des humains. Hop là, j'ai éternué. Je suis pas malade, hein. J'ai l'impression que je suis malade, mais il faut pas avoir l'impression, hein. Je suis pas malade, vous inquiétez pas. Hop là, voilà, petit piège à poisson, ce sera déjà ça de réglé. Donc vous inquiétez pas, niveau nourriture, ça va le faire. Donc ouais, faut qu'on mette un meuble hein, par devant, y a pas de problème à ce niveau-là. On va faire ça, donc réserve. Voilà, on n'a pas le choix de mettre le grand meuble. Hein. C'est le seul truc qui pourra cacher. Et encore. C'est pas dit que ça cache, hein. Mais ce sera déjà ça. Voilà. Et du coup, ce que je propose, on va même pouvoir mettre ça là. Ah oui, mais non, parce que c'est des deux côtés, ça. Donc là... Ah ouais, c'est chiant. Faut pouvoir mettre des deux côtés. Alors peut-être... Ah, c'est chiant. Ah, putain. Ça, c'est plus un truc à exposer, en fait. Ah, mince. Comment on va faire? Je sais pas. Comme ça. Et
Comme ça on peut voir de l'autre côté également. Ouais c'est parfait. J'entends encore des gens hein. J'entends encore des gens mal intentionnés. Ouais dégage. Oh. Oh. L'écureuil. L'écureuil. Let's go. On a l'écureuil. Allez ça régale. Je vais vous remontrer la maison de dehors aussi. Oui il faut qu'on continue ça. Eh, ça vous fait un épisode quand même qui va être beaucoup plus long. J'espère vraiment que vous appréciez. Et vraiment si c'est le cas je compte sur vous. Le like très important. Alors voilà pour le moment à quoi ça ressemble. Ça manque encore de fenêtres et ça manque encore de détails. Évidemment c'est tout à fait normal. Mais voilà dans l'idée un petit peu à quoi ça ressemble. En vrai je suis pas non pas fan. Tu vois genre en vrai ça passe. Au contraire. Allez hop tu m'excuseras mais là. Oh wesh il y a du vent. Wesh, vous avez vu les plumes où c'est qu'elles allaient là? Hop. Comment je peux pas récupérer la viande? Non, ça la récupère instantanément, hein. Je crois. Non, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Bon, t'as pêché du poisson? Non? Il a pas réussi à en pêcher, c'est génial. Tellement nul cet homme. Hop, voilà, on va mettre ça là. Il y a l'autre qui rôde encore. Bon, ouais. Bref, du coup, déjà, vous voyez, moi là, ce que je verrais. Non, c'est pas ça. Hop, c'est ici. Où c'est qu'on voit ça là? Utilitaire, peut-être. Vous allez très vite comprendre ce que je veux. C'est certainement pas dans le jardinage. Ok, c'est ici alors. C'est pas facile quand même de s'y retrouver. Hein. Voilà, les petites torches murales. En vrai, ça fait toujours le taf ici. Hein. Clairement, ça fait toujours le taf. Hein. Franchement. Clairement. Oh putain j'ai pas de bois ça me saoule. Mais tu fais quoi? Sert à quelque chose? Oh là 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 là. Maintenir la base vas-y fais. Putain il sert à rien. Oh. Bonjour. Moi je veux des bâtons. Je veux des bâtons. Je veux des bâtons. Superbe. Superbe. Eh bah c'est vraiment la merde. On est bien situé hein. Mais on est vraiment bien situé. On a tout ce qu'il faut. Wesh ils ont même mis des totems et tout. C'est une blague. Dégage. C'est moche. Pas beau. Il fait pas beau. Bon et toi alors toi. Qu'est-ce qu'il fait? Eh hey, c'est ma cabane. Bon. Très bien. Bah au moins quelqu'un est content de ma cabane hein. C'est sympa. Je vais quand même juste remettre une bûche temporaire ici pour pouvoir monter en haut et mettre les panneaux solaires. On va mettre deux panneaux solaires là-haut. On va pas en mettre trop pour pas faire moche. Mais juste suffisamment pour que ça fonctionne quoi. Ah oh bah parfait là. Ça se verra même pas les panneaux solaires tout en haut là. Donc regardez. On va en placer un. Comme ceci. Comme cela. On va prendre des petits fils déjà pour les relier entre eux pour avoir toute l'énergie nécessaire. Mais t'es sérieux toi? À quelle heure? À quelle heure je t'ai dit de monter toi? Oh! Sale racaille! Voilà. Non, c'est vrai qu'on est vraiment embêté là. Hein. C'est vrai qu'on est vraiment embêté pour le coup. Hein. Bon. Ensuite, on va reprendre le fil. On va placer peut-être les premières ampoules. Alors, déjà, je verrai une ampoule ici pour la cuisine. Là, au-dessus de la table, une ici, une ici. Pour en haut, là je pose que les fils pour les ampoules hein. Après on pourra très vite changer hein. Pour en haut on va mettre une ampoule là. T'as vu regarde on peut relier comme ça. Ça reliera en haut de manière assez cool je pense. J'espère. Et on va se contenter de ça pour le moment. Comme on sait pas trop comment on va faire. J'ai pas d'ampoule sur moi du coup. Les ampoules elles sont ici. J'en ai qu'une seule hein. Voilà c'est un plaisir. Alors on va commencer par celle du haut du coup. Ce sera plus logique. Et on va voir s'il y a moyen de relier discrètement. C'est pas donné. C'est pas. Attendez. Voilà, comme ça. On va voir s'il y a moyen de relier discrètement. Donc, de ce panneau solaire là. Ah, ah ouais. Ah putain. Qu'est-ce qu'elle fait, Virginia? Mais elle est complètement teubée. Super. Ah non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, comme ça. Et là, je chope là-haut et ça se verra pas normalement. Ouais, vous êtes prêts? C'est vraiment trop bien fait, ça marche pas. C'est vraiment de la merde hein, ce nouveau système en vrai hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais
Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. Non, c'est vraiment chiant, quoi. Je suis en train de réfléchir aussi pour... Je sais pas sur quoi tu tires, Virginia, je te sens fâché. Là, on pourrait peut-être faire aussi les rambardes en pierre. Ouais. Ça peut être chouette. Je sais pas sur quoi t'as tiré, Virginia, vraiment, hein. Tu me fais flipper ma race. Salut, Kevin, tranquille. Y'a eu un poisson ou pas dedans? Pas du tout. Par contre, y en a là, alors attendez. On va juste essayer de s'en choper parce que c'est vrai que niveau nourriture, ça peut très vite être chiant. Bah, venez les gars. Oh non, le soleil est déjà en train de se coucher, frérot. Vas-y là, y avait des poissons, maintenant on les voit plus. Et Virginie, elle est bloquée, ça me fume quoi. Mais ça me fume. Poisson. Là, il y en a un. Mais il est trop loin. Oh, ça me saoule. Oh, mais attendez. Attendez, attendez. On va voir les loot maintenant. Attendez, attendez, je suis un malin. Vu qu'on s'est décoroco. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Une barre énergétique. Encore. J'ai dû perdre un loot, par contre, je sais pas où. Et là, encore un panneau solaire. Ok. Et de la corde de zipline, tu vois. Donc, ça change tout le temps. Ça c'est vraiment chouette. Il y a encore des cannibales là-bas. Bon là faut vraiment que je mette des pièges ici là. Cet endroit là, ce chemin là, faut mettre des pièges. C'est clair et net, dégage. Ça la racale. Racaille pardon. Oh parfait. Ouais là faudra faire quelque chose. Oh putain. Bon va falloir se faire une belle base les amis. Parce que là la maison... Ça c'est pour ça que, encore une fois, je rappelle, hein, durant cette saison 2, j'ai désactivé les destructions des constructions. Parce que ce serait trop chiant en fait à chaque fois là. Là, on est trop vulnérable, tu vois. Bon. J'aurais quand même aimé réussir à faire le truc de l'ampoule là, mais c'est une galère ce truc. Et comment je récupère? C'est trop bien fait. C'est... Ah, c'est bon. Ok, j'ai pu récupérer. Ouais, comment faire, putain. Tac. On va y arriver hein. C'est juste c'est de la merde. Là si je relis là ça marche mais... Mais ça va se voir quoi. Ah, c'est chiant. Mais même là ça marche pas. Alors que j'ai relié. Tu rigoles? Oh ça a changé frère. Frère, je dis frère, je suis... Voilà, je fais... Wesh. Bon tant pis. Tant pis, je vais quand même enlever le fil parce qu'après je vais croire qu'il est utile alors qu'il n'est pas utile. J'ai trop le seum. Ah bah comment je vais faire pour l'enlever? Comme ça, voilà. Tant pis, je... Kelvin il bosse, il s'arrête jamais, c'est formidable. Là niveau bois je suis vraiment tranquille. Mais là du coup... Ah mais non mais il est en train de faire mon lit. Let's go. Let's go frérot, c'est ça, c'est bien. Tu vas chasser de la biche pour moi aussi? Allez. Super ça. Super. Bon. On va faire le meuble. Quand même. Hein. Hop. Hop. Voilà. Ça dégage. Voilà, ça cache un petit peu. Hein. Bon, voilà. C'est pas non plus incroyable. Hein. Au niveau des fenêtres. Bon, là, du coup, comme dit, on va pas faire de oh, je sais pas. Ici, on va faire un coin cuisine. Donc, écoutez, déjà, on peut mettre une petite table aussi. En vrai. Pour faire une vraie cuisine. Faut une petite table comme ça. T'as. Hop. Comme ceci. Ça, j'enlève. On va mettre... Oh. Attendez, hein, je tente un truc. Ouais. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Hop. Vas-y. Ouais, n'aie pas peur, tu peux le faire. Voilà. Impeccable. Ok. Hop, pareil, n'aie pas peur, tu peux casser. Ah, c'est vraiment bugué, c'est un plaisir toujours. Vous inquiétez pas, ce sera réglé dans 2 mois. Hein. Allez. Allez, hein. Jeu de merde. Non mais il faut le dire là pour le coup j'adore ce jeu mais là à un moment donné va falloir commencer à patcher sérieusement certaines choses. Voilà. Bon ensuite, salut Kelvin. Est-ce que je peux t'aider à finir ça? Voilà. Hop, ça régale. Puis là j'ai encore ici.
Voilà, ce sera déjà ça. Faut juste qu'on chasse encore de la peau d'animal. Hein. Voilà, ça fait une petite cuisine. En vrai, on peut quand même faire une fenêtre là. Finalement, ce sera même joli pour l'extérieur. Qu'est-ce qui lui arrive l'autre hein? Hop, petite fenêtre, bien évidemment. Voilà. Toujours mignon. Il est où le frérot là que je lui décapite sa tête là? Attendez, j'ai entendu un gars. C'est une blague? J'ai entendu un gars. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ma maison est hantée. Virginia, il faudrait que tu sortes de là. Hein. Oh, il faudrait que tu sortes de là, Virginia. Un poisson peut-être? Je n'ai pas de poisson. Je n'ai pas de poisson. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, qu'est-ce qu'il nous fait, Calvin? Il nous fait des folies. Une petite fenêtre là. Ça serait pas mal, une petite fenêtre là. Ouais. Et là, regardez, je vais mettre un truc de fleurs. Attends. Ah merde. Faut que je casse en deux. Oh! Tu me respectes. Hop. Hop. Voilà. Et là, regardez, je vais mettre un petit bac à fleurs. Eh, je commence à être ingénieux là. Vous avez vu? Au début, vous aviez peur de ma maison. Je suis sûr qu'au début de vidéo, vous étiez en mode, mais là, la maison, elle ressemble à rien. Mais vous allez voir, les gars. Il faut pas se laisser avoir par les a priori. Voilà, il ne faut pas porter de mauvais œil, de jugement précoce. Voilà, faut pas être précoce. Bon, j'ai compris qu'il me remplira jamais ce stock de pierres. Ah alors, hein, moi, je vais rentabiliser mes sticks. Hein. Ah ouais, hein. Il me refait encore des sticks. Et mine de rien, le temps passe. Le temps passe et le temps passe parce que regardez. Madame, monsieur, bonsoir. On a enchaîné je ne sais combien de jours dans cet épisode. Et là, nous, on va arriver au jour numéro 82. On va faire un événement spécial au jour 100. Pas du tout, hein. C'était une blague. Voilà la petite jardinière. Regardez comme c'est mignon. On va pouvoir planter de l'aloe. On va mettre des murs. Voilà, ouais c'est vrai que là ce serait pas mal de mettre une fenêtre, mais du coup on peut pas à cause de l'escalier. Ah mais là on peut faire un truc aussi clairement hein. Putain on peut faire un de ces trucs ici. Je sais pas encore quoi. Mais déjà pour des raisons de symétrie on va faire une fenêtre. Voilà. Hop. Ah mais non j'ai pas besoin, j'ai déjà ce qu'il faut ici. Parfait, hop. Commence à faire sombre hein, les amis, je sais. On va dormir. On va dormir. Je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Et j'ai faim. Et j'ai pas préparé ma nourriture. Je suis un petit peu bête. Donc Calvin, tu vas prendre sur toi. On va cuisiner en direct live. Hop. Voilà, tu vas te régaler mon copain. Et Virginia, ça y est, elle s'est libérée. D'ailleurs, il fait chaud maintenant, Virginia. Virginia, on va changer de tenue. Hop là. Voilà, ça régale. Eh ben, elle est contente. Et sa gueule en plus. Et sa gueule. Allez, c'est bientôt prêt, mon copain. On va manger, puis on va boire. Voilà. Regardez-moi ce festin. C'est incroyable. Hop là. Et voilà le travail. Et regardez. C'est mignon, hein? Ça va être très mignon, ça, les amis. Donc là pour moi c'est bon. Là on va pas faire plus de fenêtres. Pour en haut du coup je sais pas encore. Bah là le lit. Donc là évidemment qu'on va mettre également une fenêtre ici hein. Je pense bien que ça me paraît assez cohérent pour aérer la pièce. C'est très important. Voilà. Regardez mes copains, ils sont trop contents d'être là. Ouais Virginia, bah il faudrait que Calvin se dépêche à finir le lit. Et après on pourra faire ce qu'on veut hein. Enfin bref, tout dépend de Calvin hein. Calvin Harris. Là on pourrait se faire une grande fenêtre. Mais en même temps après il fait froid et tout, c'est pas terrible. Mais là c'est chiant de mettre deux fenêtres l'une à côté d'autre, c'est pas beau quoi. C'est pas beau. Ça ressemble à quoi maintenant la maison de dehors? Après si vous avez des conseils n'hésitez pas. Là je sais que vous vouliez que je mette un escalier. Bon maintenant c'est un petit peu mort de faire un escalier là. Mais c'est pas, là on va mettre de la plantation, de la verdure, ça va très bien rendre. Je vais juste récupérer ça du coup. Du coup on en a pas besoin ici. Je vais poser ça là en attendant. Voilà. Toi tu dégages hein. Hop. Eh hey, tu me respectes. Hop hop.
Voilà. Merci monsieur. Tiens, on va ouvrir les bourses. Je crois que j'en ai 3. Tout à fait. On va voir ce qui s'y cache et qui s'y frotte ses piques. On a des petits fruits. On a des huîtres. Toujours sympa. Eh bah allez, ça régale. C'est toujours, toujours pris tout ça. Hein. C'est plutôt pas mal. Bon. Eh bah il reste plus que de la peau d'animal à récupérer. On va faire ça les amis avec grand plaisir. On va faire ça avec grand plaisir les amis. Mais d'abord, j'aimerais juste placer comme ça, Kevin pourra terminer ça. Là j'aimerais placer du coup, voilà, des jardinières. Mais on va en mettre genre tout plein. Je sais pas comment ça va rendre, mais faites-moi confiance. Là on va faire des ça va faire des gros buissons. Alors ça va peut-être rentrer à l'intérieur de la maison, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, si je mets jardinière, regardez, je vais en mettre une là. Je vais en mettre une là. Et normalement les buissons sont tellement grands ici qu'on verra pas les jardinières murales et ça fera des grands buissons plus haut. C'est une stratégie les gars, je suis un génie. Hein. Voilà, je vous le dis, ça devrait vraiment être très très chouette. Je vois déjà à quoi ça va ressembler. C'est juste de ce côté là. Non c'est bon, il y a les fenêtres maintenant, c'est pas si moche que ça. Et on pourra évidemment créer des trucs devant encore. Hein. Ça c'est vraiment pas dit, il y a vraiment pas à s'inquiéter pour ça. Maintenant ouais, ce qui serait chouette c'est de trouver des il faut qu'on se fasse une muraille là, hein, clairement. Il faut qu'on se fasse une muraille aussi en vrai hein. Oh, let's go. Faut qu'on se fasse une muraille les gars. Parce que là ils vont nous faire chier mais à un point. Parce qu'ils viennent tous de là-bas hein, j'ai l'impression hein. Alors peut-être pas une muraille du coup parce que c'est vrai que ça va faire chiant. Par contre un piège ici, ce serait vraiment vraiment chouette. Un piège ici, ce serait vraiment chouette. On n'a pas encore été attaqué par les démons ici, c'est pas mal. Ouais. Ouais, quoi. Si je mets ça là comme ça. Là, ça peut être pas mal. Là ça pourrait être pas mal. Bon, on va essayer de chercher de la biche. J'ai à manger sur moi, du coup j'ai un petit écureuil. Donc ça c'est pas mal, j'ai à boire. Tout à fait, j'ai à boire. Donc là c'est plutôt pas mal. On va essayer de chercher de la biche. On l'a déjà fait il y a 2 épisodes de cela si je dis pas de bêtises. Mais on est là pour chasser. Et d'ailleurs on va en profiter pour suivre ce chemin. Même si on connaît, hein. On connaît, on est déjà passé par là de toute façon en venant d'en haut de la base d'avant hein. Mais voir si on n'a pas loupé des trucs et éventuellement récupérer des nouveaux loots. C'est toujours très intéressant d'ailleurs. Mais c'est vrai, je crois qu'il y a un truc à récupérer, vous vous souvenez? À moins que c'est pas là. Je sais plus où c'est. On va suivre ce chemin. J'ai l'impression d'avoir jamais suivi ce chemin en plus. Donc comme quoi tu vois, plutôt pas mal. Bon en tout cas si vous êtes jusqu'ici, bah j'espère vraiment que cet épisode vous plaît. Parce que vous avez vu il est quand même rempli en contenu. Pour le coup on fait quand même énormément de choses. Donc c'est ça ce qui est cool hein. Moi j'ai pas envie de vous proposer des longs épisodes juste pour dire que je vous fais des longs épisodes. S'il se passe rien dedans, ça sert à rien. Mais là, en l'occurrence, il se passe plein de trucs. Donc, je suis assez satisfait. Donc, j'espère que vous aussi. Et vraiment, bah écoutez, je compte sur vous, les gars. Le petit like, ça vous demande, allez, 2 petites secondes. Et moi, ça me récompense énormément. Et vos commentaires également qui font très, très, très plaisir. Ah ouais, putain, c'est trop joli ici, c'est vrai. On est là. Ah oui, donc il y a un village juste au-dessus. Il y a un village juste au-dessus. L'ancienne base elle est là-haut. Putain, je suis perdu moi. Je suis vraiment du père. Bon, pas de biche à l'horizon. Pas de biche à l'horizon. Je vais quand même prendre ma petite arbalète sur WAM. L'arbalète elle est là. Ok. Ouais, le village est là. On va leur faire un petit coucou. Il y a peut-être des trucs nouveaux à récupérer. À manger. Du tissu. En vrai le tissu c'est toujours toujours bueno. Attends. On peut pas casser ça. Y'a pas une casserole? Non. Je sais que passer les gars hein. Je viens en paix. Ah, manger c'est parfait ça. Oh pardon. Je voulais pas te faire mal. Vraiment pas. Voilà. Reste au sol toi. Ok, bon, on a un petit peu pillé le village. C'est pas mal du tout.
C'est pas mal du tout. Bon, moi j'aimerais des animaux, si c'était possible. Très sympa ici, hein. Très 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 sympa ici. Bon, on va descendre, je pense que ça peut être un très beau terrain de jeu en bas. Ça a rien de trop s'éloigner non plus de la base. Oh là, on pourrait se faire une de ces bases. Non, je rigole les gars. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est très très sympa. Et ce serait propice à ce qu'il y ait des animaux. Pourquoi il n'y en a-t-il pas? Oh, un écureuil encore. Il y en a tout plein des écureuils. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Oh bonjour. C'est propice également à ce qu'il y ait des cannibales. Ouais, en effet. C'est de toute beauté. Bon. Pas d'animal. Oh là-bas, c'est bon, j'ai. Je l'ai vu. Vous l'avez même peut-être pas vu, mais moi je l'ai. Ok. Il y en a même plusieurs. Allez, ça dégage. J'ai tiré en plein dans le cœur. Hein. Je suis un vrai chasseur, vous avez vu? C'est vrai, hein? J'ai la maîtrise. Hop, et de une. Et on récupère évidemment la viande. Sinon, ce n'est pas respectueux. Et maintenant, il va falloir se faire le petit deuxième. Le petit deuxième. Oh, des baies. Hop, je prends. On essaie aussi de récupérer un maximum de plantations. À chaque fois, j'oublie, il faut. Hein. Parce qu'on a des plantes qu'on n'a pas et il nous les faut hein, pour faire les médicaments, etc. Bon, là, c'est que des baies, quoi, mais... Hop, dans le cul. Désolé. Oh non, c'est horrible. Ah bah, par contre, elle, je l'ai fait souffrir. Malheureusement, je l'ai fait souffrir et ça, je pense que je m'en voudrais un bon petit moment. Voilà. Eh bah, ça fait pas mal de viande en plus. Plutôt pas mal, ça. Plutôt pas mal. Eh bah, on va pouvoir rentrer à la maison, faire notre lit pour Wham et Virginia. Après, si Calvin veut venir, y a pas de problème. En prime, on a de la nourriture en folie. Et on aura fait une petite sortie assez sympa, assez rentable. Allez, on va remonter. Écoutez, bah, je vais prendre ce chemin-là, du coup, qui mènera également à Rome. Hein. Tous les chemins mènent à Rome, évidemment. Il n'y a rien à récupérer, là, genre. Il y a... Oh, oh. Non, c'est une pierre. C'est vraiment une pierre, pour le coup. Rien de bien folichon. Ah oui, mais là, il faut monter. Ah. Oh. Ah non, c'est des murs. Moi, j'aime... Enfin, bref. Oui, je peux pas monter, en fait, là. Je peux pas monter, là. On va suivre par là. On va pas faire demi-tour, c'est débile. On va suivre par là, comme ça. Wesh. Fils de pute. Il m'a fait trop peur. Ah! Je me suis tué. Faut jamais courir en ligne droite. Hein. Au grand jamais. Oh, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Mais on est où là? Oh, il y a un village juste là. Mais en fait... Mais notre base, elle est entre deux villages, frérot. Mais tu m'étonnes. Bon, ils sont déjà bien occupés, visiblement. Et il y a des tentes. Oh. Pourquoi il y a du bois, là? Wesh. Pourquoi il y a du bois, là? Il y a des tentes juste en dessous, par contre. Ok. Ah, c'est peut-être... Là que je croyais qu'il y avait des loot à récupérer, que j'ai confondu. Ça veut rien dire, tout ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que je peux monter par là ou pas? Parce que si oui, ce serait vraiment chouette. Allez, let's go. Let's go! Ok, on ira après. J'ai encore des trucs à voir en bas. Je veux voir en bas ce qu'il y a. Je veux voir ce qu'il y a dans les tentes et tout, les gars. Ah ouais, 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 là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a clairement quelque chose à faire. Ok. De retour à notre magnifique base. Et vous avez vu, il a bien avancé en plus, là. C'est bien...
Alors je vais déjà planter ce que je peux. Ici donc des baies. Des murs du coup. Ok. Du coup. Hop. Le lit. Parfait, nous avons notre lit. On va faire du coup la sauvegarde. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Virginia. Hein. Le mec il force. On va du coup faire cuire la viande maintenant. Pour pas qu'elle soit pourrie. D'accord, et après comme ça. Mais va pas dans le feu toi. Et comme ça après on va pouvoir l'étendre. Ça fait pas mal de viande à gérer là quand même. Hein. Ça fait pas mal de viande à gérer. Il y a des vilains là-bas aussi. Et évidemment on va clean la zone ici. Hein, parce que là on s'est vraiment installé en mode bivouac. Hein. Évidemment on va tout enlever. On va tout faire ça propre, tout bien. Clairement. Là c'est encore une fois très temporaire. Maintenant on a notre lit donc je vais même pouvoir enlever la bâche là tu vois. C'est déjà un bon début. Voilà. Allez on surveille le feu. Ok ça commence à devenir noir. Voilà. Voilà et je vais mettre la dernière viande. Voilà. Ça. Ça régale mon copain. Bon, par contre, ça c'est dommage que ce soit si lent. Hein. Vous avez vu là, c'est une lenteur, c'est phénoménal. Voilà, tout ça là, on est clean pendant un bon petit moment en termes de nourriture. On a toujours des poissons, on a toujours des castors, des écureuils. Et je viens de récupérer deux poissons. Ah, en fait, c'est parce que je les faisais fuir. Il faut les récupérer rapidement. En fait, depuis tout à l'heure, je les faisais fuir. Eh ouais, les gars. Allez, dès qu'elle est bonne, je mange. Hop. Et il faudrait juste que je refasse un deuxième étendoir. Eh, tout va très vite les amis. Hein. Tout va très vite, on est dans l'efficacité. Hein. Hop, un deuxième étendoir. Juste pour mettre les poissons que je n'ai pas cuits. Voilà, et vous savez ce que je vais faire? Parce que je suis assez malin. Je vais juste mettre dans ce meuble la casserole que j'ai. Parce que sait-on jamais que j'en récupère une troisième, tu vois. Où est la casserole? Elle est là. Voilà. Je vais aussi mettre ça. Voilà. Allez, du coup les poteaux, hop, fait une petite dernière sauvegarde. Et on va juste redescendre en bas pour voir ce qui s'y passe, en fait. Tout simplement. J'ai encore un cannibale qui est en haut, là. C'est génial, il s'amuse. Il s'amuse comme un petit fou, le filou. Ouais, du coup on va descendre donc par là. On a un petit accès assez sympa, c'est vrai. On pourra également faire des réseaux de tyroliennes. Ah non, c'était pas cet accès-là, mais c'est pas grave. Tant que je prends pas de dégâts, je m'en fous. On a un village ici. Moi, ce qui va m'intéresser... Bon, le village, dans un premier temps, on va pouvoir voir. Oh, putain. Oh, putain. Mais ce qui va m'intéresser, c'est les tentes juste en dessous. Oh. Là, il y a du loot. Oh, putain. Là, il y a du loot. Oh, ça, ça me plaît. Là, on avait du beau petit loot. Un biloot. Excellent. Voilà, bon c'est tout. Je vais pas plus les faire chier. On va aller voir les tentes en bas. Oh mais putain, pourquoi il y a ces animaux là? Alors je sais pas si c'est nouveau ou pas là. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Pourtant on est passé par là plusieurs fois. Hein. On est passé par là plusieurs fois. Hein. Allez, panneau solaire. Boisson énergisante, alcool. Panneau solaire. Boisson énergisante. Panneau solaire, je suis full. Trop le seum. Tissu. Ok. C'est tout. Mais moi ça me dit rien cet endroit. Hein. Putain let's go les panneaux solaires par contre. Hein. Ça régale. Hein. Donc il y a toujours moyen de gratter ici également, tu vois. Tu sauvegardes, tu quittes, tu reviens et tu peux farm. C'est horrible. C'est horrible. Oh. C'est trop bien fait. Ok. Donc ouais je pense que ça doit être nouveau. Il y a plein de trucs comme ça qui ont été rajoutés hein, faut le savoir. Depuis je sais pas quand. Et puis là on est proche de la plage. Ok. Donc ouais c'est possible. C'est possible que ce soit bien nouveau. Ok bah j'aime bien, bah c'est parfait. C'était ce que je voulais voir. Donc écoutez on va pouvoir rentrer à la base. Et s'en arrêter là les amis.
pour cet épisode de près d'une heure. Et oui, les amis, on va s'en arrêter là. Il faudrait peut-être pas exagérer des bonnes choses. En tout cas, jusqu'ici, j'espère que vous avez vraiment apprécié le contenu que je vous ai proposé, vraiment. Et me dire en commentaire si vous en voulez davantage de cette longueur. Et je ferai mon maximum. Encore une fois, c'est compliqué de créer du contenu long et intéressant sur le long terme. C'est fatigant et ça demande énormément de temps. Chose, comme dit, que je n'ai pas forcément. Alors toi, tu vas aller te faire foutre. Voilà, hein. Mais voilà, en tout cas, je compte sur vous. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire, même par rapport à la base actuellement. Parce qu'en début d'épisode, la base ne ressemblait pas à ce qu'elle ressemble maintenant, présentement même. Elle est quand même plus jolie maintenant qu'avant. Ok, j'ai cru que je pourrais pas monter, c'est bon. Donc, je suis assez content et j'espère que vous aussi. Après, moi, dans tous les cas, j'aime ma base, c'est le plus important. Mais je prends note de vos conseils, de vos astuces, si vous en avez, bien évidemment. Voilà. Et je ferai un plus joli réseau de tyroliennes, du coup. Ouais, j'ai un arbre qui a repoussé. L'arbre, il a repoussé, carrément. Allez. Mais c'est pas vrai. Vous allez me foutre la paix, oui. Vous avez vu? Le problème, c'est que là, à tout moment, tu rentres dans ta base et tout est détruit, tu vois. C'est pour ça que j'ai désactivé les collisions. Bref, allez les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et à très vite, c'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.